retrouve pour une vidéo sur la toile licorne. Donc je tourne dans la continuité de celle que j'ai tournée avant. Vous savez que quand maintenant j'ai un moment, je tourne plusieurs vidéos d'affilée. Donc c'est la toile licorne de chez Ibroderie Diamant. Mon mari l'affichera là et vous mettra la photo. Donc voilà. Donc ben voilà, on va commencer tout doucement. La première lettre là c'est le F. Donc je vais faire les lettres en suivant comme ça. Alors F, il est là, hop. Donc c'est une toile qui n'est pas prête d'être finie, hein. Malheureusement. Malheureusement, alors vous savez, parce que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, que une fois que celle-là sera terminée, j'aurai le droit d'aller m'acheter ma toile Tic et Tac. Donc il faudrait que je la termine, mais je n'arrive pas à me trouver du temps à me poser dessus puisque j'ai mes autres défis. Et que quand j'arrive à trouver du temps, je n'ai pas forcément envie de faire celle-là. C'est plus... je me force. Je n'ai plus de plaisir à la faire. Et du coup, je me force à la faire parce que bah, c'est du Ibroderie Diamant. Et la seule chose que je reproche à Ibroderie Diamant, c'est que leurs carrés, eh ben, ils sont pourris. Voilà, vous voyez, là, je pense que vous voyez le bas, là. Le bas, je vais vous zoomer. Hop. Je vais décaler un peu. Là, cet emplacement-là, vous voyez, là, il y a des écarts. C'est pas très joli. Heureusement que c'est pour aller dans la chambre de ma fille et qu'elle est petite, elle s'en rendra moins compte. Et puis, ben, de toute façon, il faudra lever la tête pour la voir. Donc je pense pas qu'elle la voie aussi bien que ça pour l'instant. Mais je suis un peu déçue. Franchement, je suis un peu déçue. Donc, ben, oui. Fini les carrés chez Ibroderie Diamant. Les dernières toiles que j'ai reçues d'ailleurs sont du rond. Sont du rond, mais bah, c'est des grandes toiles. C'est du 50-70, donc il faudrait que je trouve le temps de les faire. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour le moment. J'en ai d'autres 50-70, j'en ai une à finir. J'ai celle-là en plus à finir, plus mes défis, donc. Ça sera vraiment plus tard. J'aimerais bien que monsieur se remette à faire du diamond painting. Et que du coup, lui, il les fasse, puisque lui, ça ne le dérange pas de faire des 50 par 70. Faut juste que monsieur retrouve... l'envie. Non, monsieur, l'envie sur le l'imprimante 3D. Ouais, il est à fond sur l'imprimante 3D en ce moment, mais bon, j'aimerais bien qu'il finisse ce qu'il a commencé. Il a pris un partenariat avec Lisa de chez Ibroderie Diamant, justement, et il en a une à faire. Donc. Voilà, j'aimerais bien qu'il honore ses partenariats. Heureusement que Lisa n'est pas embêtante là-dessus. Donc je sais pas si on va faire la case entièrement ensemble. Je verrai bien. La dernière fois, la dernière fois pour vous, mais moi juste avant, la vidéo d'avant, je vous ai tourné une vidéo qui doit faire à peu près 40 minutes, je crois, à peu près, je sais plus. C'est la toile sur... c'est la vidéo sur la toile mystère que vous auriez eu en principe, si je me trompe pas, le 2 mars. Donc, une vidéo assez longue. Parce que j'avais envie d'honorer mon partenariat et de faire toute la case en vidéo. Donc là, logiquement, je vais faire un peu pareil. Mais je sais pas, franchement, je sais pas.
Cela va dépendre de comment va se réveiller la poupette. Après, il est que 14h30, donc ça fait à peine une heure qu'elle dort. Ouais, cela fait à peu près une heure qu'elle dort, donc normalement j'ai encore un peu de temps devant moi. En ce moment, je trouve que depuis que je suis passée au carré, ça n'avance pas l'étoile, franchement. Quand je fais un carré de 10 par 10, ça prend des plombes. Je passe ma soirée à faire un carré de 10 par 10, alors qu'en rond, ça prenait une heure. Je suis un peu déçue, quoi. Mais bon, j'en ai encore plein, voilà, le mois de mars, du coup, bah, c'est d'étoiles que carrées, j'espère, à part si de temps en temps, je vais faire de la toile Mario Halloween, là, ça sera du rond, mais sinon, mes toiles principales, c'est du carré, c'est lassant. Au mois d'avril, je sais pas si... Si je fais mon défi que j'ai dit, que j'ai parlé dans une autre vidéo, de faire plusieurs toiles, petites toiles, donc là il y aura du rond, ça sera cool. Et en toile normale, je sais pas. D'ailleurs, la toile de Pâques que j'ai choisie, je sais même pas si c'était du rond ou du carré. Voilà, donc je sais pas. Ça sera à voir. Mais vraiment, le carré, ça ne me botte plus du tout. Donc, un défi de l'année 2012. Olé ! Voilà, je suis repartie en 2012. J'étais jeune en 2012. J'étais... Suivant l'année 2012, j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, voilà. Non, mais de l'année 2021... L'année 2021, de faire un maximum de pierres carrées pour plus en avoir dans mon stock. Voilà. Et je vais peut-être... Mais je sais pas les prix d'étoiles, je sais pas comment je pourrais faire pour les prix d'étoiles. Parce que je voudrais bien refourguer les toiles que je me sers pas, qui me plaisent pas, que j'ai chez moi, mais voilà, je sais pas. J'aurais bien fait un live, genre live vide grenier. Je sais que pendant un moment, Edith de la chaîne, je sais plus comment c'est, Edith, bon bref, elle faisait de temps en temps des vides greniers comme ça en live, vide atelier, et que ça marchait bien, mais je sais pas. Comme j'ai dit, de toute façon, elles sont déjà sur le market. Si je les vends pas, elles vont finir par être données dans des concours. Je pense que de toute façon, c'est le mieux. C'est le mieux. Et puis voilà. Parce que le problème, c'est que si je vous vends par exemple la toile de chez Action que j'ai eue en partenariat, je risque d'avoir des réflexions. Oui, mais tu l'as eu gratuitement, tu nous la revends. Et en plus, pour la revendre combien 5 euros qu'elle est vendue chez Action, plus autant de frais de port pour vous la vendre. Donc du coup, avec des frais de port 10 euros, voilà, c'est... Au final, je suis pas sûre d'y trouver mon compte. Je sais pas du tout. Après, il y a des toiles que j'ai eues chez Yuashina Store, pareil... qui vendait 5-6 euros, donc voilà. Si je vous fais genre 10 ou 15 euros l'étoile plus frais de port, je sais que je vais avoir plein de réflexions. C'est arrivé à une autre youtubeuse il n'y a pas longtemps. Elle a mis sur Vinted d'étoiles et
Les gens sont venus et en ont collé plein la tronche. Je trouve ça dégueulasse, mais voilà. Donc je sais pas du tout, je verrai. Je verrai derrière moi. Et puis après, de toute façon, celle qui reste dans mon stock. Parce qu'en fait, je fais. J'ai une armoire. Une armoire qui me sert dans ma salle à manger, de meubles de salle à manger. Parce que de toute façon, elle est faible. C'est une armoire avec des étagères dedans, donc voilà. Et d'un côté, en fait, je stocke mes toiles. Au-dessus, je stocke mon carton avec mes toiles que je vais faire. Et dans l'armoire, il y a un carton avec les toiles que je ne ferai jamais, qui sont rangées dans les cartons. Alors quand je reçois comme de chez Yves Rodry que je veux garder, je garde le carton qu'elle met autour. Tous les partenariats, toutes les toiles que je reçois qui ont des cartons autour. Si je vais les faire, je garde le carton pour restocker des toiles qui n'en auraient pas pour pouvoir envoyer. Donc là, vous voyez mon Cathered que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Vu que je suis en train de la faire, bah, le carton, je l'ai stocké pour stocker des toiles dedans, les toiles que je vais revendre. Je sais pas. Bah, ou vous offrir, je sais pas du coup. J'en sais rien du tout. Bref. Donc du coup, voilà, je garde mes cartons pour faire... Parce que de toute façon, même si, si je les fais gagner en concours, il va falloir les envoyer, donc il me faudra les cartons. Mais bon, c'est pareil, je ne peux pas me permettre de faire des concours tous les mois. Parce que les frais d'envoi, ça a un coût quand même. Surtout qu'il y en a certains qui vont peut-être pas passer par Mondial Relais, donc il faudra envoyer par la poste. La poste est plus chère que Mondial Relais. C'est très compliqué tout ça. Donc je sais pas. Après c'est pareil, les swaps, j'adorais ça. J'aurais bien aimé en refaire, en ravoir des swaps. Mais pareil, ça coûte... Ça coûte une certaine somme de faire les swaps, même si vous prenez, on va dire, 20 euros par mois. Voilà, c'est 20 euros. Quand on est une famille nombreuse, 20 euros, c'est beaucoup. C'est pas facile. Et puis même, comme je dis, tant que j'ai un stock monstre d'une cinquantaine de toiles, là, il y en a un petit peu moins, parce que j'en ai déjà fini 4 depuis le début de l'année, mais... voilà, à quoi bon... À quoi bon refaire des swaps pour restocker, pour refaire du stock, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le jour où j'ai plus de toile dans mon stock, on verra peut-être pour en refaire. Mais bon, je pense que ça, c'est pas près d'arriver. Je pense que 2021. Ne verra pas de swap sur ma chaîne, ce qui est bien dommage puisque c'est des vidéos qui plaisaient beaucoup, mais c'est comme ça. On a fait les swaps avec donc Sandrine. Alors c'était comment? C'est pas Sandrine la ch'ti du Diamond Painting, mais une autre Sandrine là que je faisais tout le temps les swaps avec. C'était génial. Après il y avait Rachel souvent que j'ai fait des swaps avec elle et là bah, c'est encore pire, c'est encore plus top. Rachel c'était vraiment des swaps de dingue. De toute façon Rachel elle est dingue. Donc voilà, c'était des swaps de dingue. J'ai fait avec Alex. Pas Angélique. Angélique, j'ai pas fait de swap avec elle. Avec Alex. Et après, j'ai eu 2-3 autres swaps avec d'autres personnes. Mais voilà. C'est vrai que... Du coup, mon stock a vite monté. Et il faut maintenant le faire descendre. Et pour le faire descendre, il n'y a qu'une solution, c'est d'en faire. Mais bon, je peux pas passer à H24 à être en train de faire du diamond painting. Et oui, il y a une maison à tenir, il y a des rendez-vous. Il y a plein de choses qui s'ajoutent à la vie. Puis pour l'instant, je peux me le permettre encore parce que je suis
maman au foyer. Mais peut-être que dans quelques années, dans quelques années, je serai peut-être plus maman au foyer, donc j'en ferai encore moins. Donc, du coup, ouais. Mais déjà, si cette année, en fin d'année, je pouvais avoir vidé toutes les petites et moyennes toiles de mon stock, ça serait déjà pas mal. Mais déjà, je vais utiliser, je pense, encore... Ou alors le mois prochain, au mois d'avril, je fais des toiles avec des pierres rondes. J'essaie de trouver des toiles qui vont dans les thèmes que j'aurai de proposer par les personnes que je fais les défis avec eux. D'essayer de trouver des pierres rondes. Tout en tapant dans mon stock parce que vous savez très bien que je ne commande pas. Donc voilà. Et à ce compte-là, ça serait de faire du rond. Et le mois d'après, je fais du carré. Et un carré rond. Parce que je pense franchement, là, j'enchaîne les carrés. Et je pense qu'arrivé à un moment donné, ça va me casser les cacahuètes. Double cacahuète. Voilà. Donc je sais pas. Tout ça, il faut que j'y réfléchisse, il faut que... Du coup, je sais pas si... Non, ça va être dans mes mails. Je voulais regarder dans mon mail... de réponse que j'ai envoyé à la boutique pour la toile. Pour la toile de Pâques, si... Si c'était du rond ou si c'était du carré. C'est du rond. Ouf, sauvé. Donc si je reçois, je vais pouvoir faire le défi du mois d'avril, la toile de Pâques. Avec des pierres rondes. Ouf. C'est vrai que je viens d'y penser que j'avais pas regardé. Donc ça m'arrange beaucoup. J'essaie de pousser pour que ça se mette en place. Oh, et puis alors là, il y a un truc qui galère sur cette toile-là, c'est que il faudrait une tablette pour travailler en dessous. Donc, la mienne étant décédée, lol, ma tablette de chez Broderie Diamant a fait que quelques mois, même pas. Parce que pour le peu de fois que je m'en suis servie, il y a du jeu au niveau de la prise et ça ne veut plus fonctionner. Voilà. Donc j'ai recontacté Lisa mais j'ai pas eu de réponse. Donc du coup ça m'ennuie beaucoup. J'ai pas envie d'en racheter une. Et puis voilà, je me dis que ma tablette avait quand même moins d'un an. Donc je pense qu'il y avait un petit souci au niveau de la tablette. Il y avait un petit souci au niveau de la tablette et que voilà, la moindre des choses c'est de changer la tablette. Alors moi ok, je l'ai eu gratuite. Ok, moi je l'ai eu gratuite, mais si ça avait été vous qui l'auriez acheté et qu'elle vous aurait fait... Donc je regardais le symbole qui est là, c'est le dollar. Je vais le faire tout de suite après. Si ça avait été quelqu'un comme vous qui l'avait commandé et qu'au bout de quelques semaines elle fonctionne plus, je pense que vous auriez été dégoûté, ce qui est amplement logique et je trouve normal que elle change la tablette. Donc je vais la recontacter dans la semaine là, et voir avec elle
qu'elle peut faire. En plus, en espérant qu'elle ne me demande pas de renvoyer la tablette qui est défectueuse. Parce que sinon, voilà, s'il faut compter le renvoi d'une tablette. Ça va être plutôt embêtant. Plus, il faut trouver un grand carton parce que c'est un truc de A3, donc. Ça se met pas n'importe où, ça se met pas n'importe comment, donc voilà. Donc je pense qu'on est parti pour une vidéo encore assez longue. Assez longue, pleine de blabla. Donc j'espère que vous aimez mes vidéos blabla. Sinon, bah, c'est une boutique qui m'a l'air plutôt pas mal. Ils broderie, un peu cher. Un peu cher. Qui se sont améliorés quand même parce que sur les dernières toiles que j'ai reçues, que je n'ai pas faites, mais que j'ai reçues, la qualité de la toile n'est déjà pas la même. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, il y a un an en arrière à peu près, voire peut-être plus, je ne sais pas. Vous avez qu'à taper sur ma chaîne coup de gueule et broderie diamant et vous allez voir dans quel état j'ai reçu plusieurs fois des toiles. Et c'était très abusé, mais là apparemment ils se sont améliorés. Les dernières que j'ai reçues sont nickel. Dont la Spider-Man pour mon fils, des Mario Vintage pour moi. Mais le petit bémol. Le petit bémol aussi, ce qu'il y a, malgré que c'est un partenariat qui est top, c'est aussi le petit bémol qu'il faut commander une toile qui est minimum un côté qui fasse 50. Et, désolé pour le bruit. Et du coup, un côté qui est 50, et la plupart du temps, quand on lui demande, qu'on lui envoie une photo, parce que nous, on fait en principe des personnalisés. Quand je dis nous, c'est moi et mon conjoint. On fait dépersonnaliser et bien souvent, ben, elle nous trouve 50-70 à chaque fois. Alors que je suis sûre que des fois, ça aurait pu être moins. Mais bon, moi franchement, c'est 50-70, c'est trop grand pour moi. C'est trop grand, puis ça rentre pas dans mes défis, quoi, parce que... Pour en faire une, peut-être sur 2 mois, quoi. Un défi sur 2 mois. Mais sur 1 mois, c'est impossible. Impossible, je peux pas vous faire une 50-70 en 1 mois. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, faudrait que j'essaye, hein. Mais alors, 1 mois où il n'y a pas d'autres défis à côté. Où je me fais que vraiment le défi 50-70 en 1 mois. Ça fait 5 par 7. Ouais, ça ferait 5 lignes par 7 lignes. 5 x 7, 35 cases. Si je me trompe pas, hein, ça doit être ça. Ça devrait faire 35 cases. De 10 par 10. Ouais. Peut-être c'est jouable. On verra ça dans les mois à venir. C'est que, ouais, moi je suis pas la fille... Moi je suis une fille où il faut beaucoup de changements. Je peux pas rester sur une toile la même pendant des mois, des semaines. Donc voilà, il faut que ça bouge. Donc voilà, hop, ça avance. Par contre, si vous allez sur les sites, là, faites attention, franchement. J'ai repéré... tu pourrais couper le son, s'il te plaît, ou baisser. Ou alors tu trouves un casque et tu te le mets sur les oreilles. Nuomi, il y a Cattlewed, il y a pas mal de sites comme ça, là, qui ont été... je sais pas si... Ah mince, j'ai oublié des zéros, là. On va le refaire après. Qui, je sais pas s'ils ont été piratés ou quoi, mais les prix, Nuomi, la couverture à je ne sais combien,
Là, Cattle Red, les stylos à 1000 et quelques euros, des toiles à 2000 euros, là, je pense qu'il y a vraiment un gros souci. Alors après, les vendeurs vont dire, ben ouais, on vend pas, c'est bizarre, on vend pas. Mais ouais, si vous faites des prix comme ça, les gens... Après, moi, quand je les vois, des prix comme ça, j'envoie un petit message. Et je dis aux vendeurs, il n'y a pas un souci de vos prix, là, parce que, voilà, j'envoie une photo, en principe, avec... Et je leur prouve qu'il y a un souci, qu'ils aient à faire attention. Mais c'est vrai que c'est un peu abusé. Je suis tombée sur 2-3 sites là ces derniers temps où il y a des problèmes de prix. Donc il faut faire très attention. Après, je pense que vous n'êtes pas bête. Si vous voyez un truc à 1000 euros, un stylo, vous n'allez pas le commander, je pense. Mais ça serait bien de le signaler au vendeur, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai oublié des hauts. Donc pour e-broderie, vous aurez les liens en barre d'infos. Hein, avec le code réduction qui vous donne 10% sur le site. Donc je sais pas si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Si vous en servez, vous pouvez le dire. Moi j'ai pas de retour. Moi j'ai pas de retour de e-broderie pour savoir s'ils ont fait des ventes depuis que je suis en partenariat avec eux. Donc je sais pas. Si vous voulez me le dire. Après je pense pas qu'il y ait grand monde qui commande chez eux. Moi la première, moi je commande tout sur AliExpress. Et puis, j'ai pas de vendeur attitré sur AliExpress. J'y vais au feeling. Je vois une toile qui me plaît. Voilà, je commande et voilà. Mais là, il faut que je termine celle-là pour avoir ma ticket-tac. Qui me fait de l'œil, qui est dans mon panier AliExpress et qui attend que je la commande. J'ai pas fait de pacte, mais j'ai fait un pacte avec monsieur. J'ai fait un pacte avec monsieur quand même. Tant que celle-là est pas finie, n'en rachète pas. Comme ça, c'est après l'effort, le réconfort. Et en plus, vous avez été plein à me dire que quand je vous ai montré la photo... Vous avez craqué vous aussi. C'est de la faute de Wish. C'est Wish dans la pub de Wish à chaque fois. Alors j'en ai marre d'ailleurs, je l'ai tout le temps sur Facebook. Et on échange de trucs, mais c'est souvent ils me mettaient la toile tic-tac pour me la foutre sous le nez, me narguer, je crois. Donc voilà. Pour que j'aille leur acheter. Purée, j'ai encore oublié de haut là. Donc voilà. Nous allons pas craquer. Sur cette toile-là, d'ailleurs, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 cases. 19 cases à faire. Ce qui, en soi, si j'avais que celle-là à faire, serait rapide. Mais comme ce n'est pas ma priorité, ça ne veut pas être rapide. Je peux pas trouver du temps pour tout. Oh mince, j'en ai laissé une grise là. C'est quoi ça? C'est celle-là. C'est le 3. Ok. Je vais la remettre tout de suite dans le pot du 3. Hop. Tac. Le 3. Ouais, je récupère les pierres, j'essaie de retrouver quand j'en perds quelle couleur que c'était parce que jusqu'à présent j'ai pas eu de problème avec les broderies, il m'a jamais manqué de pierres, j'espère que ça durera mais on sait jamais.
Donc, je préfère récupérer. Puis là, c'était pas compliqué. J'ai fait qu'un truc de gris. Donc, par contre, en dessous, là, c'est gris et c'est du violet. Les couleurs ne correspondent pas. Désolée, j'ai baillé. Là, ça va pour. Là, je vais avoir plus que pour l'instant la toile geek, comme je l'ai appelée. Et il me restera celle-là et l'autre à faire. Ouais. Demain, je vous tournerai peut-être une vidéo si j'ai le temps sur la Halloween. Parce que là, je pense qu'après cette vidéo-là, je vais arrêter de tourner des vidéos. Parce que là, c'est la deuxième ou troisième. Non, deuxième, je crois. Deuxième de l'après-midi. Je vous ai tourné la Cattleweed. Où je commençais ma première case de ma toile mystère. Là, je vous tourne celle-là. Ouais, ou peut-être je vais en tourner encore une. Je vais voir, je sais pas. C'est qu'après, ça devient compliqué. Là, et puis je commence à bâiller, donc voilà. C'est que je vais m'endormir devant la caméra, lol. J'ai besoin après de faire une pause. Sur ma toile geek d'ailleurs, la toile geek, c'est pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, c'est la toile où il y a Zelda et qui ont versé leur costume des filles geek. Donc, celle-là, pour aujourd'hui, il me reste une case à faire, puisque je fais deux cases par jour pour la finir pour fin mars. Donc, c'est une 30 par 30. J'aurais pu faire 9 cases. Oui. Oui, par 10, ça aurait fait 9 cases. Mais non, j'ai envie de faire des plus grandes cases et du coup d'en faire deux par jour. Ça revient au même, vous me direz. Mais non, je trouve que c'est moins long que de faire un 10 sur 10 d'un coup. Et puis du coup, j'ai fait ouais, des petites cases et je les fais en damier comme je fais maintenant mes toiles. Quand il y a... Et puis quand pour les effets, c'est pas imposé, bah, je fais pareil. Et si c'est imposé, comme celui avec un angélique, enfin, elle n'impose pas de choisir les mêmes chiffres qu'elle, mais elle préfère. Comme ça, pour l'avancer, on avance tous en même temps. Donc du coup, là je prends les chiffres exactement comme elle, sinon autrement je fais en damier. Et je trouve ça sympa. Voilà. C'est un truc qui est bien sympathique. Le Y, il est où? Le Y, il est là. Je suis désolée de vous bailler. Oh là là, le Y, il va falloir que je recharge. Sinon, elle est trop belle cette toile quand même. Y a pas à dire. Elle est jolie comme tout. Et elle va venir rejoindre la chambre de ma fille. D'ailleurs, ce mois-ci, sur le groupe de Rachel, alors je crois que c'est une tombola qu'elle fait. Et sur la tombola, il y a une toile licorne à gagner qui est du même style que celle que ma fille a dans sa chambre, It is a girl.
C'est la même série et j'aimerais trop la gagner. Je crois que je vais lui prendre une case à la loterie. Et je vais tenter ma chance. Donc si vous voulez venir sur le groupe, c'est... Alors, Scrap... Alors, je vais vous le dire. Je vais garder avec mon téléphone. Comme ça. Non, c'est broderie, diamant, scrap et coloriage. Et du coup, il y aura... Et gagner, c'est celle-là. C'est celle-là qui a gagné. Elle est trop belle. Elle ferait très bien dans la chambre de ma fille, lol. Mais moi, j'ai jamais de chance. Donc, je vais pas... Je peux pas acheter plusieurs tickets, donc je vais aller en acheter un. Et puis, ben voilà, on verra bien. Au moins, j'aurai participé. Je participe beaucoup sur les concours des autres, hein, des autres youtubeurs, des groupes et tout ça, mais je gagne jamais rien quasiment. J'ai pas de chance. De toute façon, ça s'est vu hein. Depuis un certain temps quand même. J'ai pas de chance, mais bon, c'est la vie. Il y a une amie qui m'a dit que après la tempête, il y avait toujours un arc-en-ciel. Donc la chance revient un jour. Voilà. Donc j'attends mon arc-en-ciel avec impatience. On va le laisser venir. Alors, je vais chercher. Alors, désolé pour le bruit, je vais chercher le numéro 31. Je vais mettre à côté. Hop, 31 pour recharger. Hop, il m'en faut encore un. Je vais en profiter pour recharger ma boîte. J'en ai pas oublié, non. Voilà, donc hop. Je vais regarder dans le sachet. Mais en ce moment, c'est plutôt l'orage, la tempête ces derniers 6 mois. Pour ceux qui me suivent, vous savez un peu tout ce qui m'est arrivé, que j'ai bien voulu vous dire, parce que il y a d'autres choses qui me sont arrivées et que je n'ai pas parlé du tout ici. Donc voilà. Vous savez ce que j'ai bien voulu vous dire et vous savez que il y a eu la tempête chez moi. Voilà. Ne revenons pas sur les sujets. Donc là, c'est des X. Des croix, comme vous voulez. Hop. Oh, ça colle encore plus. J'attends de la glue dot que j'ai commandée sur AliExpress début février, qui n'est toujours pas arrivée. Et je voulais tester parce que là, j'en peux plus. La colle de chez... qui nous vendent avec les kits, là. Ça, c'est la rose, la bleue. Alors, la bleue, ça dure un peu plus longtemps, mais la rose, laissez tomber. J'en ai ras la casquette. J'ai essayé la pâte à fixe, je n'y arrive pas. Ça me prend la tête. J'attends la glue dot. J'avais commandé un rouleau de 100 pour 36 centimes. Mais j'avais pris du coup 2 rouleaux. Je me suis dit je vais prendre 2 rouleaux direct. Et ça n'arrive pas quoi. Je contacte le vendeur. J'ai pas de nouvelles. J'ai ouvert un litige. Le litige, bah, ça donne rien. Personne ne... Ça a l'air d'intéresser personne. Ils doivent se trouver que pour 72 centimes, je les fais chier. Mais voilà. Je les fais chier parce que bah, ça me saoule de ne pas recevoir ce que je commande. C'est pas le principe des 72 centimes, c'est le principe de... tu commandes, mais tu reçois rien, quoi. Et quand je vois les prix de la Blue Dot sur Amazon, ça me donne moyennement envie d'y aller.
Alors, il me reste quoi? Des 8, des V. On va faire les couleurs très foncées là, parce que je vais allumer mon téléphone en lumière et je vais regarder avec le téléphone. Je vais faire ce qu'il y a de très très foncé. Alors, hop, on est reparti avec la lumière du téléphone. Il y a quoi là? Il y a des arrobases, il y a un R, des D et des arrobases. Donc, on va faire R. Je vais faire cela parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, hop, deux, il m'en faut. Alors, ça, c'est le truc qui est chiant aussi, c'est que quand vous voulez en sortir deux et que vous en sortez 15 000, ça, c'est galère. Arrobase. Ah, comme ça, il me restera plus que ça. Alors, hop, les arrobases. Là. Là. Ah, bah, je crois que je me suis trompée. J'ai mis. Hop, c'est pas là qui va, celui-là. Ouais, c'est un D, ça. Le R, il est là. Voilà. Bon, normalement, il faut pas trop le faire, hein, mais bon. Au point où on n'est plus à ça près. Bon, je vous le dis. La toile, il y a des endroits où elle ne collait pas. J'ai eu des galères avec cette toile-là. Et j'en aurai certainement encore, puisqu'elle n'est pas finie. Donc, de toute façon, elle finira complètement vernie. Il y en a déjà une bonne partie qui est vernie. Finira vernis comme tout le monde et en cadre. Ah mince, j'ai oublié de remettre une pierre. Ça c'est la noire. Hop, va ici. Oh là là, j'ai vidé le pot quasiment. Oh là là, ça me. Oh là là, ça m'énerve. Donc là il y a un D. Et là il y a un D. Et là, voilà. Là, il n'y a plus. Donc là c'est bon, au niveau de la lumière, je suis bonne, hop, 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 donc hop, ça c'est fait, donc vous auriez encore une très longue vidéo, puisque j'aurais fait toute la classe avec vous, je crois que c'est le 18, c'est ce que je cherche, ouais, 18. La pose est pas trop mauvaise, ça va. Je vais peut-être en faire hors caméra après. Je sais pas. J'ai plus envie de tourner là. Je suis un peu KO d'avoir tourné. Regarde-moi. 5 minutes. Non mais je finis ça là. Non mais regarde mon dieu. Regarde, vite fait là. Comme ça. Ouais. Concours, ça prend un S. Hein. Bah, c'est toi qui l'as mis. Hein. Ben, j'ai fait une faute de frappe. Tu pourras la corriger. Trop tard. Ah ben mince. Bon ben alors, vous aurez la vidéo, vous aurez vu la vidéo concours. Monsieur est en train de la mettre en ligne pour demain. Et il y a une faute d'orthographe. J'ai oublié de mettre un S à concours. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis pas dyslexique, mais pas loin. J'écris comme je prononce les choses et du coup, bah, ça me vaut des tours. Et quand même, quand j'écris, c'est pareil. Je ne mets pas d'accent, je ne mets rien. Donc, les fautes, il doit y en avoir. Mais c'est gentil parce que quand on fait des fautes, vous ne nous le dites pas. Hein. Donc, ça pourrait être super prenant, super chiant de vous avoir derrière nous en train de dire oui, il y a des fautes là, il y a des fautes là, mais non. Non, non, vous êtes des gens 6 abonnés qui dites rien. Parce qu'en fait, il a fait un montage et sur la. Il a inclus directement dans la vidéo
au montage, concours 1100 abonnés. Et du coup, bah, la vidéo est complètement montée, donc ça prend tellement de temps à monter, donc tu vas pas aller refaire marche arrière. Hein. Ça te fait 3 toiles. Non, 3 vidéos. Ouais. Ouais, 3 vidéos. 3 avec celle-là, 4. 5. Parce que j'en ai une autre aussi dedans. J'ai la mystère. Tu l'as pas encore. J'ai de l'avance. J'ai commencé à avoir un peu d'avance. C'est bon. C'est mon signe, ça, d'avoir de l'avance, parce que sinon, c'est casse-pied, parce que je tourne pas au jour le jour, hein. J'essaie de tourner, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Dès que je peux tourner, dès que j'ai du temps, dès que la petite est à la sieste, que j'ai pas de rendez-vous. Voilà, donc là, comme des sessions cet après-midi, où j'ai pu en tourner deux, trois. Ouais, j'ai tourné concours, la mystery et celle que je suis en train de vous faire, donc 3. Voilà, je me fais des sessions l'après-midi tournage et après demain je pense que j'aurai le temps de retourner, donc j'en retournerai. Voilà. Et comme ça, j'essaye d'avancer sur à peu près d'avoir des vidéos sur une semaine, 15 jours, comme ça, hop. Pendant ce temps-là, j'ai plus de vidéos à tourner. T'as combien d'abonnés ? 1107. Ouais, en ce moment, ça reste coincé à 1107. Donc voilà, ça y est, j'ai fini le petit bout avec vous. Est-ce que je vous montre la toile ? Ouais, allez, je vais vous la montrer. Vous la verrez prochainement dans avancée de la semaine, mais quand même. Allez, je vous montre ce qui reste à faire. Soyons fous. Par contre, je vais couper. Ouais, non. Allez, hop. Je vais la prendre comme ça. Désolée, je vais aller bouger un petit peu. Je vais reculer. Dézoomer pour pas que vous me voyez en gros plan. Coucou. Alors, hop, désolée, j'ai mis la main devant le de la caméra. Et tu lèves le camp au concours. Et voilà. Donc là, on a fait la petite zone là. Alors, j'avais expliqué que j'avais commencé là, j'avais suivi là. Mais que, en fait, de ce côté-là, ça commence à se décoller. Donc, j'ai fait de ce côté-là. Donc, moi, ce petit carré-là, je pense que je vais le faire tout à l'heure. Tranquillement. Et voilà. Et après, je pense que je vais faire tout le bas. Et après, je vais piocher un peu par-ci, par-là. Voilà. Sinon, elle est très jolie. Franchement, elle est très, très jolie. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.